Coucou Josy! Coucou Josy! Eh oui, c'est moi! Ah, t'es contente de me revoir, j'en étais sûr! Ben oui, ça fait un an qu'on s'est pas vu! Un an! J'ai été mis au placard par la direction! Il y a eu des plaintes, j'ai pas compris. Soi-disant, j'abîmais les véhicules, qu'avec la jante féminine, je faisais moins bien mon boulot qu'avec la jante masculine. On a essayé de tout me mettre sur le dos. Tout! Mais tu me connais! J'étais responsable de rien, et voilà, et tout a été classé sans suite. Et donc voilà, je retrouve mon boulot, et ça me fait tellement plaisir de te voir. D'ailleurs, à ce sujet, ce soir, t'es dispo ou pas? Je t'inviterai bien au... Non mais j'arrive, vous inquiétez pas. Je t'inviterai bien au resto pour faire un petit dîner, pour nos retrouvailles. Tu vois quoi, un truc sympa. T'es avec ton copain ce soir. Ah. Ah oui, non, mais. Bon, non, bah, oublie, mais peut-être ce week-end. Écoute, on se recontacte très vite. Et je suis sûr qu'on va trouver un moment tous les deux, Josy. Bonjour, monsieur. Eh ben, ça commence bien ce matin. Enfin, cet après-midi, tu vas me dire, il va être 18h. Allez, les activités. Ah bah, les activités criminelles, tu m'étonnes. J'ai pas été là pendant un an. J'en sais rien du tout, madame. Je sais pas ce que vous m'avez dit, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas été là pendant un an, donc tu penses, les criminels, ils s'en sont donnés à cœur joie, mais maintenant c'est terminé, hein. Allez, on va prendre notre bagnole. Hop, tranquille. Elle a pas vu la petite dame que j'avais le gyrophare? Ou le petit monsieur, je sais pas. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, on est tombé sur un cas. Allez, on va prendre des photos. Accident de la route. Ouais, tiens, je te prends en photo parce que t'es fait comme un. T'es fait, toi. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, ma voiture pour les assurances. Et encore. Et tu vas voir, à tous les coups, la direction, ça va me critiquer. Alors que tout le monde a vu que c'était lui le responsable. Les photos, c'est bon. Y a plus rien. Il m'a pas l'air bien. Hein. La dépanneuse, on l'appelle. On dégage la bagnole. Ouais, non, mais il peut pas conduire, lui. Hein. Il peut pas conduire. Non, non, je m'excuse pas. Les papiers et tout le barda. Allez, tu donnes ça, tu te dépêches. Parce que t'es un criminel, là. Bon, voilà, alors t'as ton rapport d'accident. Tu l'amèneras pour les assurances. Et tu plaideras coupable. Tu te fous de moi, toi? Tu titubes à moitié? C'est déjà un petit miracle que je te mette pas en cellule de dégrisement. Donc tu me remercies? Vous m'étonnez que la situation part en vrille. Bah oui, le monde part en vrille. Et c'est pas étonnant avec des cas pareils. Allez, nous on va faire notre patrouille tranquillement. La dépanneuse est arrivée. Oh, rien à foutre. Allez, je vous jure, hein, moins 5. Bouffez-les vos moins 5. Ça méritait plus 20, ça. Enfin bref. Je me comprends. Allez, il se passe rien pour l'instant. Il est passé au... Non, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait, gros cinglé, va? Hop, 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 la pollution! La pollution! Ça te connaît? Allez, va te garer! Oh là, on va l'aligner lui. On va l'aligner, c'est moi qui vous le dis. Il se gare là. Allez, hop! Patrouille! Contrôle! Vas-y, arrête-toi. Ah non, aucun cadeau. Hein. Aucun cadeau. Oui, bah le pot d'échappement qui fume. Allez! Tu sors! Bah vas-y. Putain, mais c'est bugué ou quoi? Oh! On va lui sortir le panneau, il a pas dû comprendre. Faut trouver une place pour se garer, pour que je vous aligne. Allez, va te garer, parce qu'en fait il s'était pas garé ce débile. Nom de Dieu, je vais t'aligner toi. Mon grand, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, je suis pas contre-sens, je suis policier. Mais il avance en plus ce con. Oh! Allez, il se gare ou pas? Ouais, ça, bah, tout ça pour se garer là.
Ça valait le coup, tiens. Faire perdre 5 minutes. Allez. J'en peux plus déjà. La voiture, vous avez pas vu que ça fumait comme pas possible, la pollution, bilan carbone. Ça vous parle ou pas? Moi ça me parle. Tu trouvais que ça avait l'air cool en plus. Je vais t'aligner, donne tes papiers. Allez, papier d'identité et tout le bordel. Tu donnes ça. Yuan Terry. Tu viens de Yuan? En Chine? Oui, c'est Wuhan. Arrête de jouer sur les mots. Hein. Je vais quand même vérifier dans le truc. Non, tout est possession de cocaïne. Hein. Possession de cocaïne. Gérer un accident grave. Oui, j'arrive. Deux secondes, je m'occupe de Starry avec sa bagnole. Tu sors. On va faire les contrôles quand même avant que j'aille à l'accident grave. Ils peuvent attendre. Hein. On n'est pas à 5 minutes près. Non mais reste ici, hein. Un test de dépistage direct, alcoolémie, drogue et tout ça. Vu que t'as l'air de connaître un petit peu tout ça, t'as pas bu, c'est déjà bien. J'aime pas trop ton regard. Hein. Allez, tu souffles. Cannabis, amphétamine, non rien. Allez, ça sera bon. Donc, contravention, voiture... Pot d'échappement qui fume et on t'aligne. $300-$400. Si tu payes en liquide tout de suite, c'est moitié prix. Oui, c'est énorme. Bah oui, mais t'as pas d'argent sur toi? Eh bah écoute, hein, tu payeras $300-$400. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, tu dégages. J'ai un accident grave à régler. Hop. Ah, c'est une journée qui commence bien. Allez, on est parti. Laissez-moi passer. C'est la police! Hop! Tiens, on va se mettre comme ça un peu. Ah bah non, on voit rien sur le GPS, laisse tomber. Ah si, comme ça. Enfin non, on voit pas trop. Oh là là! On a failli avoir un accident, tiens. Non, mais je vous jure, hein, c'est quand même terrible. Hein. Terrible, les gens ne respectent rien. Mais alors, rien du tout. Vas-y, ça tourne. Ça... Qu'est-ce qu'il foutait arrêter en plein milieu, ce con? Oh! Danger public, et voilà, ma bagnole, elle va être bien abîmée. Et c'est qui va avoir des problèmes? C'est Bibi. Toujours pareil, hein. Vous avez bien vu. N'importe quoi. C'est ici. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé? Voilà. Non, lui, ok. Je vais aller voir de l'autre côté, on sait jamais, hein, il y en a un corps. Oh, bah, attention, monsieur. Bon, madame. Non, madame. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es louche. J'ai demandé vos papiers quand même, hein, madame. S'il vous plaît. On va voir. À mon avis, vous n'êtes pas responsable. C'est l'autre taré. Wang. Ah bah, c'est Wang. C'est la famille Wang. Clara Wang, tout est OK. Moi, ça me va. Hein. Pas de soucis. Statut d'enregistrement invalide. J'ai pas vu. Voilà. On n'a rien vu. Vous êtes un peu énervé. C'est normal. C'est le choc. Je vais prendre 2-3 photos pour l'enquête. Même s'il n'y a pas besoin, visiblement. Ah si, quand même. Hop. Ouais, bien abîmée la voiture. Hein. Va falloir se faire rembourser. Mais c'est l'autre taré, je suis sûr, qui est responsable. Hop, ça c'est pour moi. Vous occupez pas. On la retirera du procès verbal. Allez. Bon, ça c'est bon. Pour la petite dame et le monsieur. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait pas. Comme par hasard, toi t'es responsable, toi ça se voit. Les papiers. Allez, papier du véhicule, papier d'identité, tout le bordel. Ensuite, petit dépistage pour toi. Hein. Je te sens pas net là avec tes lunettes. Durand jaune. Ok, Durand jaune, ça m'a l'air bon. Je regarde permis. Mandat d'arrêt, oui. Et t'as pas d'assurance. T'es fait comme un rat. T'es fait comme un rat, John Durand. Mandat d'arrêt.
Attends, je vais prendre des photos, je vais faire genre je suis pas au courant. Tu vois, comme ça, tu dis, putain, il sait pas, il a rien vu, c'est un novice. Tu es aligné, mon grand. Je vais t'aligner, tu vas en prendre plein la gueule. Hein. Ah, je peux te dire que tu vas passer ta nuit et tes prochaines années au poste. Hein. Merci, monsieur. Monsieur, j'aime pas trop. Ouais, vous voulez cacher quelque chose, vous, hein. Ne regarde pas comme ça, toi. Pièce d'identité. Si tu me salues, c'est que t'as un truc à te faire reprocher. Ouais, ton regard. Yamazaki. Tu t'appelles Yamazaki Guillermo. Et tu crois que j'y crois? J'y crois moyen. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai l'accident à gérer. Allez, tu dégages. Tu dégages. Dégage. Dégage. Bon, on en était à toi. Petite aide de dépistage en plus, je sais pas trop qui t'es. Non, je suis pas au courant que t'as un mandat d'arrêt. Pourquoi tu me le dis? T'as pas bu, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu t'es drogué? Dis-le tout de suite. Amphétamine, cannabis. Non, c'est bien. Bon, par contre, je suis désolé, je suis au courant en fait pour le mandat d'arrêt. Donc, menottes. Hein. Menottes et mandat d'arrêt. Hein. C'est con quand même. Hein. Allez, tu vas attendre sur le trottoir, je vais fouiller un petit peu ta voiture. Allez, go. Fouille du véhicule. Et la petite dame, elle avait rien à se reprocher. Hein. On va la libérer tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait avec des chaussures à talons? Attends, j'ai bien vu. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est louche, ça. Hein. C'est louche. Enfin bref, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas mon problème. Ça il a le droit. Hein. Il a le droit. Pas d'objet là. Le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? À mon avis, on peut trouver des choses intéressantes. Un corps, un truc qui sent mauvais. Non, c'est déjà ça. Bon, visiblement, il a pas grand-chose dans sa bagnole. Le con, il a un mandat d'arrêt, il fait un accident. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment des pieds nickelés, quoi. Les types. Allez, les dernières portes, dernière fouille. Il y a rien. Très bien. Je te donne les raisons de ton inculpation. Hein. Mandat. Ah bah non, je te l'avais déjà donné, je suis bête. Attends, je vais aller voir la petite dame, lui dire que tout va bien, parce que là, la progression, on est tranquille, là. Je vous ai demandé votre carte. Je suis obligé. Alors, je suis obligé le test de dépistage pour la procédure. Voilà, je le fais, mais vous inquiétez pas, même si c'est positif, je vois pas. Voilà, on a bu un petit coup la veille au soir, mais rien de méchant. Pas de drogue. Vous n'êtes pas le genre à vous droguer, vous. Vous êtes quelqu'un de sain, de corps et d'esprit. Bah voilà, j'en étais sûr. C'est bien. Non, bah j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. Je vous donne le procès verbal. Vous pouvez partir, il n'y a pas de soucis. Lui, l'autre là. L'autre, bah sa bagnole. Fourrière, hein. Ah bah oui, hein, fourrière, faudra venir la chercher. Je te donne ton procès verbal quand même. Donc vous êtes responsable de tout, monsieur. Toutes vos déclarations pourront être retenues contre vous. Et j'appelle évidemment un fourgon pour vous emmener. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'unité la plus proche. Non, mais c'est bon, là. C'est terminé. Nous, on peut dégager. Hein. Est-ce que ça a pris? Oui. Est-ce que vous... Madame, est-ce que vous voulez monter avec moi? Je vous emmène quelque part, si vous voulez. La voiture, on la laisse là, écoutez. Non. Mais personne ne vient, là. Parce que c'est quand même embêtant de laisser l'autre taré tout seul sur la route. Ah bah si, il arrive Roger. Roger, c'est là, c'est lui. C'est le dangereux criminel. Auteur d'un accident en plus, alors qu'il a un mandat d'arrêt. Bah vas-y, descends, j'ai pas que ça à faire. Roger, viens. Qu'est-ce qui me salue? Bonjour madame. Don't resist.
and get into the police van. Petite pièce d'identité quand même. Bah oui, ça vous fait plaisir. Here, officer. Mais oui. Rien à se reprocher. Parce qu'on me salue comme ça, c'est un peu bizarre, madame Campbell. Vous êtes nerveuse. Vous êtes ravissante. Faut pas... Pourquoi être nerveuse? Je vais vérifier. Permis de port d'armes. Bon, la voiture, mais vous êtes pas en voiture. On va faire une petite palpation. À cause de la nervosité, mais vous inquiétez pas. Non, arrêtez, j'en profite pas, c'est pas vrai. Voilà, plus 5 d'ailleurs. Hein. La direction est contente. Écoutez, rien, tout va bien. Tout va bien, et bonne journée. Et vous voulez mon numéro de téléphone? Non. C'est bien dommage. Bon, il a été pris, l'autre, nous on peut se barrer. Hein. Le truc, c'est bon. Terminé, mais je m'en suis... C'est terminé, là. Voilà. Madame va partir. Bonne journée. Et tout va bien. Par contre, elle prend pas sa bagnole. Alors peut-être qu'on va appeler une dépanneuse aussi, tu vas me dire. Ouais. Ouais, visiblement, elle marche plus. Plus 10, voilà, la dépanneuse est appelée. Et nous, on peut se barrer. Je sais pas pourquoi on n'a pas eu le bonus. Hein. On a été parfait sur cette enquête. Allez, on va continuer. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Quoi? Personne. Attends, oh, vous avez de la chance, vous, hein! Transporter la personne arrêtée. Mais tout de suite, qui était arrêté? On y va. Oh, cette journée de dingue! Cette journée de dingue, je vous raconte pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qui a été arrêté, là? Qui a été arrêté? Non, mais le feu rouge, on verra après. 20 mètres, 20... Qui a été arrêté? Pourquoi c'est moi qui arrête lui? Mais Roger, mais... Oh putain, super. Oh, je veux même pas savoir ce que vous avez fait, là. Vous êtes en train de pourrir ma journée. Allez, au poste. Pourquoi il m'a appelé? C'est pas mon boulot, ça. Normalement, c'est les nouveaux venus qui font ça. C'est pas les professionnels. Oui, bah j'arrête un délinquant. Non, je sais pas ce qu'il a fait. M'en fous. Allez, et ferme ta bouche. Hein. Je veux pas que tu parles, tout sera retenu contre toi. Hein. Je veux rien savoir. Allez, faut l'amener au poste. La question, c'est où le poste? Vas-y, ce GPS il est cassé en deux, alors je fais ce que je peux. C'est là. Allez, on y va. Ouais, il aura un avocat, il aura tout ce qu'il veut. De toute façon, il va finir en tôle. Et moi, je veux pas savoir. Hein. On tape que des cassos, là, aujourd'hui. Insupportable. Allez, on va mettre la sirène hein, pour aller plus vite. Aïe, 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 bah c'est là. Allez. On s'arrête, on s'étouffe pas. Garage de la police. Ouais, non, mais là, je m'en fous du garage de la police. Hein. Ça, c'est plus le... C'est pas le problème. Là, juste lui, on veut s'en débarrasser. Allez, tu viens. Tu viens, mon grand. Allez, la cellule. Aïe, 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 aïe. J'irai un accrochage. Non, on n'a pas eu le temps. Ouais, je peux pas tout faire en même temps. Allez. 48 heures de garde à vue. Ouais, Josie, je t'amène encore un cas. Hein. Allez, il va aller là. Tranquillement. Allez. Bonne journée, hein, monsieur. Et on n'a pas de bonus en plus. Eh ben, dis donc. Super. Hein. Bonjour, monsieur. Allez, nous, on va reprendre notre routine. Tu sais quoi? On va prendre celle-ci, plutôt. Hop. Parce que l'autre, elle est un peu abîmée. Qu'on nous accuse pas. On est changé de siège. Mais non, mais t'as rien compris. Tu rentres et tu fais changer de siège. Ah, je te jure. Il a changé ou pas? Ouais.
Allez, on continue notre patrouille. Pas de clignotant ? Mais c'est très dangereux, ça. Voilà, elle s'est arrêtée direct, elle a bien compris. Aïe, 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 le clignotant, c'est pas pour les animaux. Bonjour, madame. Madame ? Bah alors, le clignotant ? Vous avez pas fait attention, vous avez pas vu. Il marche pas, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, Alors là, vous me connaissez pas bien. Pièce d'identité. Allez. C'est dommage, hein. Vous alliez gagner un dîner, vous allez gagner une garde à vue à la place. Madame Andvi Perry. Y a pas d'assurance, là. Il n'y a que le permis. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, puis il n'y a rien de, sur le véhicule. Madame Andvi Perry. Vol de véhicule, en plus, plusieurs fois. Il n'est pas à vous, le véhicule. Tu vous bredouillez. Bah, c'est con pour un clignotant, quand même. Hein. Allez, tu sors. Tu sors et tu te dépêches. Ce qui est con, c'est qu'on aurait pu avoir une belle histoire tous les deux. Trouver l'individu. Ouais, mais j'arrive, je m'occupe déjà de. Il va falloir trouver Edgardo Sanchez, un Africain. J'aurais dit un Espagnol, mais bon. Test de dépistage, je vais le faire vite fait. La voiture, elle est volée. Elle est volée, la voiture. Hein ? Et elle est positive, hein. Aïe, 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 allez, test de drogue. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, le clignotant, j'oublie parce que... Voilà. Si vous voulez vous en sortir, va falloir être gentil. Va falloir être gentil. Donc, la conduite, le clignotant, à la base, c'était pour ça. Je mets pas de contravention. Voilà, juste un petit avertissement verbal. Tu me remercies. Et ça, ça vaut un dîner. Mais peut-être pas demain, parce que... Vu tout le bordel... C'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, on peut vous arrêter pour plein de choses, en fait. Hein. Je vais faire conduite en état d'ébriété. J'aurais pu faire véhicule volé. Je fais tout ça. Oui, après, je m'en occupe de Sanchez, mais deux secondes. La raison de l'inculpation... Attends, lieu du délit, c'est quoi ? C'est pas ça. Fuite, non. Moi, c'est un véhicule volé, hein. Ah non, c'était pas un véhicule volé. Ah bah, je me suis trompé. Ah, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, moi, écoute, je t'emmène juste à côté. Écoute, t'as trop bu. D'accord, on est d'accord avec ça, ma Marie-Hélène. Au début, tu m'as pas très bien parlé. J'ai pas trop apprécié, c'est vrai. Mais le truc de la boisson, je déchire. Je déchire. Bon, le manque d'assurance de véhicule, on sait pas trop. Je déchire. Je déchire tout. Par contre, petit dîner ce soir. Ah bah oui, tous les deux. Comment ça, ça se fait pas, c'est du harcèlement. Je crois que t'as pas compris. Tu veux finir en tôle ou pas ? This is patrol 4561, I can take that. Non, tu veux pas finir en tôle, donc oui, dîner ce... Non, ma patrouille, elle est pas finie, j'ai pas le temps. Tiens, il y a l'autre cassos, donc tu vas rester un sacré temps, hein. Écoute, on se revoit ce soir, j'irai faire mon rapport, je vais tout effacer, t'inquiète pas. Il y a aucun souci avec ça. Mais la prochaine fois, sois plus gentil quand même avec l'agent. Parce que là-bas, c'était un clignotant. T'es gentil, il n'y a pas tout le reste. Hein. Qu'est-ce que... Ah non, bon, lui, il va prendre 20 ans. Et tant mieux. Non, j'ai fini. J'ai pas fini. Non, mais moi, je continue ma tournée. Rien à faire. Il faut que je retrouve Edgardo. Et une fois trouvé Edgardo, ce sera bon. Costume noir, pantalon rouge... est-ce que j'ai 173 mètres en plus ? Parfait. Oui, bon, je laisse cette voiture-là. 200 mètres. Merde, mince, on s'est éloigné.
Allez, allez, allez. Quelle journée, hein. Quelle première journée. Assez terrible. Non, mais le clignotant, là, on s'en fout, hein. Par contre, on voit pas bien. 300. On est en train de s'écarter complètement des gardeaux, hein. Je veux pas vous inquiéter. Mais on s'éloigne. Et on va tourner là, tranquille. Le clignotant, on n'a pas que ça à faire. Ouais, 400 mètres, mais c'est tout droit maintenant. C'est tout droit. Moi, toute cette délinquance, ça me rend fou. Hein. Ça me rend fou parce que... voilà, les gens ne comprennent pas. Elle a des freins qui marchent pas. Il y a quelqu'un qui m'a saboté les freins. C'est tout. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Costume noir, pantalon... Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Stop. Stop. Oh, pop, 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 pop. Sors, sors, sors. Sors. Edgardo, c'est la police. Arrêtez-vous. Il est où? Il est où? Je l'ai perdu. Non, il est là. Vas-y, cours, cours. Edgardo. Ah, je vais sortir le taser. Hein. Merde, on l'a loupé. Merde. Edgardo, c'est la police. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, Edgardo. Mais... je remets une recharge. Hein. Putain, vas-y, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi aussi. Edgardo, 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 je sais que c'est vous. Non mais attends, arrêtez-vous. Il a pas voulu s'arrêter au début, voilà ce que ça donne. Hein. Eh, menottes, hein, direct. Hein. Hop, hop, hop. Menottes. Menottes pour je sais pas... Attends, attends, pourquoi? Parce que y a un mandat d'arrêt sur toi, hein. C'est tout, hein. I have to arrest. Non, c'est pas un mandat d'arrêt, bah je sais pas, moi, t'étais en fuite, hein, trouver l'individu en recherché. Là, je préfère assurer, je te mets des menottes. Après, on va pouvoir parler, donne tes papiers. Please show me your ID. Ouais, on a peut-être un peu déconné, là, mais... Here you go. Pourquoi t'étais en fuite, Edgardo? Bah parce que ta pièce d'identité a expiré. Et en plus t'as bu comme un trou. Bah attends, refais voir le... Et oui, bah t'as un mandat d'arrêt, c'est ce que j'ai mis. Je me suis tapé moins 5. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus t'as été déclaré coupable de vol. Aïe 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 aïe. Non mais attends, j'hallucine. Moins 5 alors que j'avais bon. Et je peux même plus le mettre. C'est un scandale. On est d'accord, c'est un scandale. La police me veut du mal. Ah non, je t'escorte pas. Hop, parce que moi j'ai fini ma journée normalement, hein, mon grand. J'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Enfin, je... Quoi, moins 5? Bah oui, parce que j'ai fini ma journée, je travaille trop. Bah tu m'étonnes. Je prends des moins 5... Bah oui, j'attends même pas, là. Je vois pas pourquoi. Ma hiérarchie me met des bâtons dans les roues. Je vois pas pourquoi j'attendrai. Hein. Là, clairement, tout le monde l'a vu. Hein. Moins 10, c'est un scandale. C'est scandaleux. Allez, on va rentrer au poste, hein, mais je suis écœuré. On va aller voir Marie-Hélène. Marie-Hélène, on était bien, tous les deux. Par contre, je crois que j'ai dépassé le commissariat. Attends. Hop. Vous inquiétez pas. On gère comme un chef. Ah bah dis donc, pour une première journée de reprise, il y en avait du boulot, hein. Attention quand même. Voilà, moi je m'arrête là, rien à foutre. Hop, je vais aller faire mes rapports. Tranquillement. Ah, je te jure. Mais il est parti, Mais Marie... Marie-Hélène, Marie-Hélène. Bah, normalement, il faut rester à l'intérieur de la cellule. Je l'ai pas encore fait mon rapport, Marie-Hélène. Vous avez pas essayé de me le faire à l'envers et partir avant le repas de ce soir, quand même, hein? Hein? J'ai l'impression que si, là. Pourquoi vous me parlez plus, Marie-Hélène? J'ai envie de vous... Non, parler. Hein? Je crois que cette personne était en train de vendre... Qui vendait de la drogue? Eh, vous parlez. Oui, pour vous disculper, j'arrive pas du tout à vous parler. Bon, écoute, Marie-Hélène, mais... Ah, parlez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Marie-Hélène, il faut rester à l'intérieur. Oui, j'avais pas fermé la porte parce que c'est vous. Mais moi, je vais avoir des problèmes après. Les rapports, les machins, je les déchire. Mais il faut attendre que je les déchire. Sinon, j'ai gros soucis avec la direction. J'en ai déjà eu. Et vous, attendez-moi là. Je déchire tout. Et on part pour le dîner de ce soir. Vous inquiétez pas, Marie-Hélène. Josie, je m'occupe de Marie-Hélène. Hein. Personne d'autre s'en occupe. C'est un dossier très complexe. Hein. Ne gère pas, t'inquiète pas. Tout est géré. Je fais juste mon rapport. Et enfin, on va aller au dîner avec Marie-Hélène. J'ai tout bien fait. J'ai tout bien fait, comme avant. J'ai pas perdu mes habitudes. Il y a juste à la fin, on se fait escroquer alors qu'il y a un mandat d'arrêt. Et puis, moi j'ai mon dîner. Désolé pour vous les rageux.